Bonjour, bonsoir amis internautes, ça va dépendre de l'air, regardez vidéo ça, c'est un plaisir pour moi à chaque fois. Mais j'ai une chance pour me chaner micro ça pour me porter pour nous une nouvelle émission. Dans le dossier pays Kenya qui a pour voyer 1000 policiers dans le pays d'Haïti pour aider la police goumen avec gangyo pour rétablir la sécurité dans le pays, il faut nous bien bagala paraît un petit difficile pour le pays d'Haïti. Ça on dit. Pays Kenya a déclaré faut que l'argent disponible sous compte yo avant yo voyer policiers yo dans pays d'Haïti. Avant yo déployer troupes yo dans pays d'Haïti, faut que l'argent bel et bien est présent sous compte en banque yo. Tendez oui. Yo dit tout autant yo pas recevoir des 225 millions euros sous compte yo pas gain aucun policier cap déployer dans pays d'Haïti. Tendez oui. Ça veut dire là, c'est l'argent d'abord et puis tout pour messer au déployer dans pays d'Haïti. Et ensuite, les haïtiens lui-même ont tellement croire nos forces étrangères malgré qu'il pas jamais régler en rien pour pays vraiment vrai. Ils continuent à prendre médecine sous pétard maro. Tendez mes amis. Pays Kenya que tout le monde mette espoir sous lui. Comme quoi, la ville aide nous goumer avec bandits pour rétablir la sécurité dans le pays. Nek sa ou la, me dis c'est ça passe nous. Y a passé nous dans la tête. Et nous même nous continuons à faire confiance. Oui, nous avons l'armée d'Haïti. Pour ça, nous pas investir dans l'armée d'Haïti. Tenez nous. D'après Nation Africa, il y a plusieurs autres pays en Afrique qui a voyé officier dans la mission multinationale qui va le déployer dans le pays d'Haïti. Tendez oui. Je n'ai pas parlé de Sénégal qui a voyé 350 officiers. De Burundi qui a voyé 250 officiers. Et en plus, nous avons Seychelles qui dit lui-même la voyé 190 officiers. Et en plus, nous connaissons des Afrique Sayo, des officiers qui sont dans notre pays, tout en coup, pays Chili, Jamaïque, Équateur et Barbade. C'est pays Sayo qui est disponible pour mettre ensemble pour voyer 1000 policiers dans le pays d'Haïti pour venir rétablir la sécurité et aider la police goum avec gang yo. Tendez oui. Inspecteur général la police Kenya qui c'est Jafet Koumé li bay garanti policier yo choisi. Li dit policier yo choisi yo qui sorti dans diverses unités spécialisées, gain niveau et expérience pour faire travail, y a bay au faire. Ça veut dire là, nous mettons tout espoir nous. Mais tout autant l'argent pour qu'on disponible sur compte, c'est bien compté, mal calculé et pas voué. Tendez oui. Moi m'a li un poste là. Et va jouer. Moi ça c'est l'argent yo ouais d'abord. Avant, yo déployer tout yo. Gion passe ma pli là. Et pas ti l'argent petit, non, mande. Ou même, d'après moi, moi, mande toi petit. Tendez oui. C'est 600 millions de dollars par année. C'est quand c'est l'argent pays Kenya mande pour le vin fait. Pays d'Haïti, douce, koussi au miel. Tendez oui. 600 millions de dollars par année. Imaginez, même dit par année même. Yon seule année seulement, investi 600 millions de dollars dans l'armée d'Haïti, quoi me souvle. Avant de bandit, ceci, cela, la dot. Dans 600 millions de dollars, quoi me souvle qu'acheter yon hélicoptère. Li kaba hélicoptère de guerre. Mais la acheter yon hélicoptère, la ka vole, la ki kontrol bandit yon ba, la touye yon. Les gars achetés drone de guerre. 600 millions de dollars ça,
nous pas besoin voyer dans le pays Kenya. Nous met investir dans la force nous gagnons là qui c'est police nationale d'Haïti qui c'est l'armée d'Haïti. Investir là-dedans comme si nous pas si tu gagne l'armée dans pays d'Haïti là, si l'armée a été jam, il pas de boîte, il va handicapé, ou penser soldat dominicain qui va venir ensemble avec nous sur frontière. Ou penser bandi qui cap fait bail ça yo, tout ça tout c'est à cause président je m'étais arrêté de craser la mer qui fait que bagay ça là comme ça. Oui, si président Aristide pas craser la mer comme si vous voulez Haïti pas comme ça, c'est vrai nèg ont fait des ordres. Oui, la mer d'Haïti ont fait des ordres, mais nous te ca nèg ca fait des ordres yo, nous retirons la mer et puis tout nous fait nous update la mer, nous allons écraser, nous craser la mer, la police là, mais qu'on y a là la police pas gouverner avec bandi. Malgré Jovenel défait tout effort, li recampé on l'armée, mais l'armée a pas tellement gay équipement, mais les gars goumé quand même. Derrière nous connait quantité bagaille négo fait là, l'armée d'Haïti. L'argent ça, nous pas le payer, pays Kenya prend investir dans police nous gagne yo, mettez dans l'armée d'Haïti comme souvlé. N'a vu le résultat. Oui, nous fait crédit. Parce que je connais un pile jeune garçon, jeune fille, qui est dans l'armée d'Haïti, qui est cagoumé. Nous avons des gens qui sont formés en Équateur dans l'armée d'Haïti. Ils sont capables. Nous avons des soldats qui sont au Mexique qui sont formés dans l'armée d'Haïti. Ils sont cagoumé. L'argent, ça, nous pouvons le voir. Bye. Pays Kenya, nous avons demandé 600 millions par année. Pour faire Haïti 12 coups au miel, tandis que le pays Kenya n'a pas même fait la calibre 12 parce que si vous, il pense que Haïti a fait le 12. D'ailleurs, Haïti a plus de bandits que le pays Kenya. Oui, selon l'information que j'ai, Haïti a plus de bandits parce que le pays Kenya. Il n'a pas fait le pays 12, il pense qu'il a fait Haïti 12. Tandis que vous avez tout un nègre par là, ils ont campé, ils ont pris campé, et l'homme s'en joue campé, vite l'homme campé, nous regardons le pays Kenya, il a couru quitter le pays d'Haïti. Parce que les gens qui n'ont pas bandi dans le pays d'Haïti, et les gens qui tirent des grenades maï. D'ailleurs, les bandits qui sont plus gros, c'est la police. Dans une vidéo que ils ont filmé dans la chambre de la caille, les gens qui ont utilisé, c'est mettre là, que tout à coup, ils ont dit qu'ils n'ont pas misé, ils ont juste installé les gens. Ils ont utilisé. Ils ont des grenades. Je ne sais pas si la police a des grenades. Oui. Nous avons des armes qui sont les barrettes 80 et vous savez les barrettes 80 M80 ou Macron. Les armes ça, vous mettez campé dans un poteau qui est bien armé avec béton, vous tirer dans le poteau, vous percez le poteau de la pont. Tellement les armes ça qui puissance. Et les armes ça, on sert une balle seulement, la percez un chablin de. Les armes ça, sous mes yeux, qui j'ai les armes ça fait. Monte sur Google, marqué Barrette M80. Je te dis, Barrette M80. Ou après, vous avez amené. Et puis tout, je n'ai dans la vidéo, chaque grain balle Barrette M80, ça, le pilon qui on doit qui n'en plamon. Imaginez-vous. Zam sa bandi gagne, et la police pas gagne. Attendez, mes amis. L'autre, Mzou, c'est Aristide. Qui la cause pays à tomber dans sa lune là? D'ailleurs, sous Aristide, il y a un pile de timé, c'est armé. Sous Aristide, il y a crasé l'armée d'Haïti, pays à venir dans sa lune là. Mon cher, Haïti, je connais un bon lait, on a un bon armé, qui a campé pour goumer avec Bandio. Et ensuite, nous avons espoir sous force étrangère. Qui vient faire l'argent sur tête nous, au lieu de nous dépenser dans la force étrangère, plutôt nous dépenser dans la force nous gagner dans le pays d'Haïti parce que nous sommes capables de gommer. Nous gagnons Brit, nous gagnons Itag, nous gagnons Swat, Simo, Idmo, nous gagnons Boy, en plus nous gagnons l'armée d'Haïti, nous gagnons gommer. C'est nous qui campé là, dans nous connaître qui résiste à nous déjà. Imaginez-nous, si nous investissons là-dedans, nous avons des armes, nous avons des équipements, nous avons des frais. Oui. Nous payons normal. Comme vous voulez là, il y a des solutions avec la crise qui est dans le pays d'Haïti. Et il y a
établir sécurité. Oui. Il y a répondu contre le pays là parce que Jean-Pierre ça est là c'est bandit qui contrôle lui. Bandit qui contrôle lui. Bandit c'est bandit qui a dirigé. Bandit bloqué l'air ouvlé, il est bloqué l'air ouvlé. Kounya là, n'a prend médecine sur pétard mao. Kenya a passé une bêtise. Il demande nous 600 millions de dollars par année qu'on gagne l'argent ça. Quand on gagne et il dit tout autant qu'on là-bas disponible sur compte yo, il pas déployer aucun tout. Malé, rendez-vous dans prochaine émission. Pour nous inviter ton l'autre de ces publics channel, ça c'est Production 509. Je vous demande pour liker, abonner et puis peser sur la notification. Retirez ce post-là sur toutes pour les nouvelles vidéos pour ne pas rater. Nous avons parlé avec nous gagnons tout en avant. Nous gagnons en avant qui nous font unis. Nous gagnons en avant. Nous gagnons au PL là-dedans, non? Nous gagnons OPL, nous gagnons PHTK avec un pile, et nous croyons pour nous gagner conscience patriotique avec un pile l'autre parti qui n'en font hein, et là encore n'a pas tant que et nous fait appel avec d'autres partis politiques et d'autres organisations de la société civile là pour rejoindre nous parce que Front Union il était ouvert. Eh bien, d'accord, mais merci un pile, Félangean. On a préappelé aider. Alors, ça, moi, je voulais surtout ajouter. Tout à l'heure, moi, t'as parlé de l'indécence. De dit moi-même, je regardé avec courage une série de monde qui était rejeté d'un revers de main. Et ceci est, même après publication document dans le journal qui devait le jeter de revers de main, moi dis moi regarder avec aisance, je dis à Montaro eux même il et défendre et position pour Ariel démissionner après le 7 février 2024 conformément à clause accord. Donc ça c'est une position personnelle, mais il y a des considérations parce que des monde fait qui très sensé que me concéder autour. Par exemple, que le position aider à que le Denel Saint-On qui exprimait un désaccord par rapport avec les positions ça m'a exprimé là, qui effectivement est d'accord même j'ai avec Zamim Coventon Jantou depuis dans le moniteur il a engagé chaque grain haïtien chaque grain des citoyens haïtiens parce que de fait il vient une décision et une action politique m'a cité ça c'est Denel Saint-On qui a réagi et toute décision et action politique qui prend un pays a une conséquence soit positive soit négative sur chaque grain haïtien. Donc pour preuve décision politique ça fait que un régime m'a cité Denel Saint-On absolutisme dans pays a qui pas qu'à résoudre différents problèmes yo notamment insécurité. Donc ça c'est peut-être position Denel Saint-On par rapport avec indécence n'a pas parlé à là et c'est position tout des amis Tokoukov qui est à interagir avec moi que me conseiller autour hein que me conseiller donc moi pas vouloir aller vélo mais toujours est-il moi après regarder moi-même à mon sens et à qui velléité courage volonté souvelée que nous avons même eu prêt à continuer. Il dit faut qu'Ariel parte et ceci conformément à ça qui dit dans l'accord 21 décembre. Oui, c'est le point que ça m'a fait guérir pour avancer. Eh bien, d'accord. Mais merci un peu, Félangean. Merci, Guérir. Mais avant mal, alors, c'est vraiment une bataille contre un système. Et contre un système. Et c'est pas vraiment une bataille contre le monde parce que ce système ça c'est quand même et docteur Ariel Henry qui bon et malheureusement dans ce moment là représente gardien un système qui je dis à là a plus de 2 mois depuis l'école ouverte ou gagné quelques milliers d'élèves qui à l'école ce système ça qui fait que de groupes bandits de gangs et a créé de milliers de déplacés dans le pays et je vous dis à là, en pile là-dedans, et réfugiés dans le lycée dans la capitale là. C'est ce système ça qui fait que des jeunes, chaque jour, ils viennent à Haïti pour qu'on l'enfer, ils n'ont pas gagné l'autre bagaille que ouais, c'est migré, que ce soit ça qui a fait dans Nicaragua, États-Unis. Et l'autre côté, donc c'est un système ça qui crée chômage, qui est basé sur violence, qui crée la misère, qui crée désespoir ça dans le pays. Donc nous-mêmes, nous croyons que c'est une bataille contre le système, c'est pas une bataille contre le monde, et nous invitons tout acteur politique, toute société civile là, pour rejoindre nous dans la bataille. Ça. Merci un pile, Guerrier, merci un pile, Johnny. Voilà, merci un pile, Félangean, mais nous avons gagné. Et...
Claude Joseph, ancien premier ministre, c'est une responsable, la principale responsable aidée qui lui-même te voulait ajouter. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Allô? J'ai l'impression que la communication n'a pas passé trop bien. Claude Joseph qui lui-même était venu ajouter quelque chose. Donc après intervention, fait l'engin qui lui-même c'est responsable national, responsable politique national. Oui, oui. Claude Joseph, bonjour. Oui, oui, bonjour. Bonjour Guerrier. Bonjour Johnny Ferdinand. Et merci Guerrier pour appel là. Donc, moi t'attends des matins. Hein? Et on analyse vraiment correct et objectif de Johnny Ferdinand sous échéance qui a privé sur nous aujourd'hui à grands pas. Et comme de leader responsable, donc évidemment au niveau de aider, nous tirer sonnette là pour nous attirer l'attention de la population haïtienne là. Sous ça qui a privé sous nous et pour qui ça nous doit anticiper et pour qui ça vide ça nous doit organiser nous pour nous combler. Donc aider te fait travail ça et effectivement toute l'autre partie politique qui était conscient vini ta capable d'y embrasser et continuer travail là au niveau front uni. Donc qui ça va réaliser effectivement quoi Johnny Tabdilla et nous même na aidé effectivement nous pas signer à cause ça et nous était très inconfortable les monsieur Ariel Henry décidé et publier à quoi dans le moniteur et nous connaît tout de suite qu'il de publier dans le moniteur nous même l'été vin un document officiel li vin un document politico juridique qui gagne valeur morale que le gagne et valeur juridique que le gagne donc nous pas capable et en fait et considérer comme un document donc nous même nous était clair que nous pas signer mais même si vous votez un monde qui candidat à la présidence même si vous pas voter depuis le vin président s'il dit constitution dit mandat pour 5 ans li nan moniteur et cetera donc ou doit mandel pour respecter gen moun ki te kon mande pour Jovenel Moïse et cetera aller ou parler c'est pas parce que te voter Jovenel Moïse maintenant ça qui est extrêmement important dans cas ça jodi a ou gagne un premier ministre qui pendant 2 ans li pas réalisé rien dans ça qui en dans accord et m'ta rien que tout le monde attendait la sonjon bagay à cause 21 décembre 2022 a l'été signé exactement dans souci pour te prolonger mandat ou bien période transition qui t'est commencé en principe à partir de accord 11 septembre 2021 le monsieur Ariel Henry réalisé que l'été signé un accord le 11 septembre 2021 l'été publié dans le moniteur pays l'été dit 2022 à pour année électorale l'été dit l'a mettait campé un comité d'experts pour réviser constitution l'été dit l'a mettait campé un organe pour contrôler action gouvernement l'été dit l'a fait passation définitive en 2023 l'été ouais 2023 pour arriver li pa gen tan fè youn nan sa yo et situation peyi a vin pi mal li mette avec un ensemble de l'autre monde pour la plupart gen la dan ou te bonne foi li signé un autre accord le 21 décembre 2022 et nan 21 décembre 2022 al publié dans le moniteur 3 janvier 2023 li di année 2023 c'est une année électorale tout ça va pas arriver faire en 2022 ou va faire en 2023. Donc, nous pas arrivé là 31 décembre 2023, M. Ariel Henry pas organisé l'élection, pas un conseil électoral provisoire. M. Ariel Henry pas mettre campé un comité d'experts pour révision constitutionnelle là, donc pas une révision constitutionnelle. M. Ariel Henry pas mettre campé un organe de contrôle de l'action gouvernementale, c'est lui qui a dirigé en maître et seigneur.
Monsieur Ariel Henry pas fait rien dans le pays. Au contraire, la vie monde, la vie vient détériorer, insécurité à galopante. Tout ça au monde connaît en un pays qui va suivre. Mon yo fin quitte jeune garçon et jeune femme, fin quitte pays à papi et papa quête parce que gouvernement ça écrase l'espoir. C'est dans ce sens ça, des leaders responsables au niveau Front Uni qui pas d'accord sur plusieurs bagailles, qui connaissent devant yon gon pigou mal, qui ont pigou mal et pendier. Yo dit échéance à privé, li pas qu'a fait ou bagaille. Un petit goût monde ou bien un grain de monde pour contre les faut nous essayer combler parce que ça qui pendier sous tête nous là comme malais c'est Ariel Henry qui a fait obstruction à la justice juge l'a invité il pas jamais mis pied et l'a prêté pour organiser une élection malation petit passe-coute. Une façon pour capable protéger Ariel. Entre autres, c'est ça qu'on cap dessiner là. Donc c'est peut-être ça. Je dis à lui fondamental. Quitte ou te signer à quoi ou pas te signer à quoi, mais document ça a publié dans le moniteur allié. Cependant, moi dois dire ça là pour tout le monde entendre. C'est pas parce que n'a demandé pour échéance à respecter parce que Ariel te font des ordres, il plaide à publier à quoi dans le moniteur. Qui fait que demain, si Dieu veut, un petit groupe, un tout petit, prend, il publie un autre accord dans le moniteur qui pourra le faire que, eh bien, si on dit la pour un siècle encore, il pourra le faire que la pour un siècle encore. Donc, nous-mêmes, nous croyons, dans la démarche, nous avons fait pour nous chita parler à tout le monde dans le pays, eh bien, crise l'arrivée dans la maturité, le peuple a le bail des niveaux. Je ne crois pas que. Gen moun k'ap mande comment nous va remplacer Ariel Henry parce que effectivement Ariel Henry comporte en seul maître et seigneur, c'est lui qui premier ministre, c'est lui président, c'est lui ministre intérieur. Donc dans seul CSPN il y a plusieurs postes mais de façon informelle il y a un paquet d'autres postes dans l'exécutif là. Donc gen moun qui a inquiétude pour demander comment on va le remplacer un tout puissant tant qu'Ariel. C'est ça qui fait malgré à cette là, c'est lui qui a fait nomination conseil dans DRH, c'est lui qui a changé un paquet de moun directeur non organe déconcentré et organisme autonome à l'insu de ACTA malgré à quoi a dit les pas qu'a fait au sans CTA. Donc nous comprenons mécontentement légitime madame Maniga. D'accord. Donc c'est peut-être ça nous aider nous écrire pour nous féliciter courage li dans moment c'est pas parce que nous bal au feu vert mais nous féliciter courage li dans moment qui reconnaître que Ariel Henry pas fait rien pas prend aucune disposition. Monsieur Joseph, pour une passation qui est faite. Monsieur Joseph, et bon moment de ça, des monde qui ont des gens et pas ouais ça trop bien et correspondance parti EDA. Je dis est-ce que le pas tapi bon hein si nous te dit nous prend acte de déclaration ou bien position madame Mirlande Hippolyte Maniga au lieu nous te féliciter et même jusqu'à mander l'accompagner dans démarche et la trier pour nous arriver qu'on est qui s'est fait pour créer pour combler vide là. Et si par exemple avant 7 février Mirland Maniga t'a changé position. Bon, écoutez, c'est une question de forme et Johnny Ferdinand, c'est une question de forme. Bon, évidemment, madame Maniga c'est un sommité, son constitutionnaliste, nous pas croire que madame Maniga a jamais accepté n'importe qui bagaille. Maintenant qu'on y a li madame Maniga l'âge li va prendre en considération mais il toujours un rendez-vous avec l'histoire. D'accord? Il est toujours un rendez-vous avec l'histoire. Donc et moins pas quoi et nous-mêmes nous dit ça non pas quoi que devant ça qui là gion l'autre position un monde qui censé raisonnable capable prendre. Et donc dans ce sens ça et nous-mêmes n'ont pas lié départ ordonné de M. Ariel Henry avec position Mme Maniga.
après yo. Nous pas lié, par exemple, nous pas quoi que si Madame Maniga dit demain faut Ariel rete la prêter, parce que nous-mêmes nous pensons que gen moun qui était plus confortable et c'est là et Ariel avec Ali, il faut réfléchir en pile. Et yo ba une posture que yo un peu en dans pays, il y a moins monde qui a plus pouvoir qui arrivé bas bas. Et ça c'est extrêmement important. Je dis à faut nous regarder. Classe politique là dans sa grande majorité mandé pour Ariel Henry démissionner parce qu'il est incapable. Parce que pendant 2 ans, il n'a pas fait rien et il a besoin de signer un autre accord pour un groupe qui dit mais comme on t'a bien dirigé le pays pendant 2 ans, comme on t'a fait élection, on fait comité d'experts pour révision de la constitution, comme on fait toutes sortes de deux accords, et bien on a un autre 2 ans encore et dans tête pays. C'est ça a réel besoin. Mais en réalité, le peuple haïtien, dans sa grande majorité, il exprime, parce que où est mon yo. Ça qui pas capable encore seulement à quitter pour des destinations incertaines et on quand même dit pour des destinations inconnues. Donc pays a pas qu'à vivre situation ça. Claude Joseph, on n'a pas le fini puisque on t'es seulement besoin pour ton précision par rapport à intervention un responsable parti. Mais papa dans là Bamando, qui est-ce qui signe pour PHTK dans fond union dans Paléa? Bon et pour et ça moi même capable de dire nous même n'a aidé nous t'a capable de dire dans une dynamique de tête ensemble. Dans un moment important dans l'histoire du pays, il y a un ensemble d'acteurs qui parlent de choses aux mêmes gens qui décident de mettre des têtes ensemble. Et nous pas regarder qui est-ce qui signe, qui est-ce qui pas signe, mais ça m'est capable de dire. Pas oublier que c'est PHTK en même qui t'a demandé pour me arrêter comme premier ministre, pas pour organiser l'élection avec moi. Donc, acteurs politiques au niveau et au niveau doivent transcender. C'est-à-dire que nous-mêmes dans aidé, nous pensons que c'est PIA pour nous mettre avant tout. C'est ça que fait. Nous c'est un parti politique du centre, de synthèse, qui cachita à tout le monde. Évidemment, nous ne pouvons pas remplacer la justice. Évidemment, si il y a des gens qui ont des bagages à voir avec la justice, il faut ou répondre à la question de la justice. Donc ça lui-même est important pour nous. Mais je dis, nous avons un gros malais qui pendait sous tête nous. Et malais qui pendait sous tête nous, c'est 5 à 10 ans qu'Avina, côté Ariel Henry, voulait organiser avec un conseil électoral coupion. 9 noms ont entendu qu'il y a parlé de yo-yo, puis il faut ses amis privilégiés, intimes Ariel Henry, qui voulait faire une élection type passe-coute pour capable définir l'avenir. Jeune garçon et jeune femme dans 5 à 10 ans qui viennent là. Qui donc se fait quitter le pays, aller Nicaragua pour prendre route vers le nord total, dans des destinations côté en pilap mouri, y a fait cas de Jacques Souyo, y a violé Tifi, etc. Donc nous sommes pas capables dans la situation ça je dis. Ya. Et quel que soit comment politique qui voulait mettre ensemble pour changer ça, mais tout le temps. Sachant que évidemment et la justice et institution qui l'a pour faire travailler doit faire travailler. Guerrier Simdadou c'est Linde Baltazar qui signe pour acheter pour acheter ça la DPM là. Oui mais PM n'a pas tout répondre. Donc là on sait que moi je suis là parce que CPM n'a pas demandé justice pour Jovenel Moïse alors que Linde Baltazar comme monde qui gagne non bon pas mis suspect au point que tu gagne des mandats tu gagne des interdictions de départ qui te mettre contre lui donc est-ce que là et pas grand petit problème de cohérence par contre c'est sous ça PM n'a pas essayé répondre derrière. Oui c'est sûr que c'est sous ça parce que c'était des bases questions là mais même d'attendre que confirmer pour moi est-ce que c'est Linde Baltazar qui signe pour PHTK. Oui. Nous-mêmes avons aidé. Alors, moi, j'ai un camarade Felan qui est responsable politique aidé, qui signe un document pour Front Uni. Nous-mêmes avons aidé, nous pas là pour nous remplacer la justice. D'accord? Nous pas là pour nous remplacer la justice. Ça, c'est important pour nous. Et moi, pas qu'on ait un monde au niveau Front qui gagne.
décision de justice qui sortit contre nous. Nous pas gagné pour nous remplacer la justice. Mais et ça moi-même moi capable d'aujourd'hui à gagner un monde qui a fait obstruction avec la justice et non pas de jamais quitter ça à et nous t'es capable d'y éloigner nous. Grand monde qui a fait obstruction à la justice et grand seul monde qui a fait obstruction à la justice, c'est Ariel Henry. Ariel Henry décidé révoquer Bedford Claude parce que Bedford Claude écrit le commissaire du gouvernement Bedford Claude parce que Bedford Claude écrit Digicel pour demander lien téléphone Ariel Henry avec Badio. Li révoqué Mano Militari le ministre Rockefeller Vincent parce que Rockefeller Vincent mandé Ariel Henry à répondre question la justice en conseil des ministres. D'accord? Monsieur Ariel Henry décidé pas répondre invitation juge là une ou deux fois parce que le premier ministre c'est véritable monde qui entravé qui a fait obstruction à enquête là. Donc je dis à nous mêmes au niveau de aider mais particulièrement moi-même parce que c'est moi-même qui dans démarche de justice particulièrement moi-même on pas engagé la personne morale qui est aidé mais moi-même comme ancien premier ministre moi-même comme Claude Joseph moi pas distrait et pas quitter personne monde distrait sous question demande justice pour président Jovenel Moïse là et moi dire qu'on connaît que Ariel Henry représentait véritable entrave véritable obstacle avec question ça et c'est pour ça même pour finir guerrier du seul c'est pour ça même Ariel Henry a cherché concentrer toute réalité pouvoir en bas même. Li pa vle gen un exécutif bicéphale, c'est pour une seule raison. Pal, président ou bien la présidence a mandé pour Ariel Henry et autorisé Ariel Henry si c'est lui qui t'a premier ministre pour la répondre question la justice. Or, li gen conseil des ministres jodi a nan men qui sous coupe réglé au conseil des ministres côté tout ministre c'est popituel pas gagné aucun ministre en conseil des ministres qui a gagné courage pour prendre décision pour dire monsieur Ariel Henry à répondre question un juge d'instruction qui rend ordonnance qui invite au venir répondre donc ça veut dire une raison qui fait Ariel Henry pas voulu lâcher pouvoir ou bien accepter au minimum que nous parlons de l'encontre bien sûr accepter au minimum que y a un gouvernement à un exécutif à des têtes côté que un président sous tête lui qui lui connaît président pour le dire effectivement faut répondre question la justice son, ça sont bagages élémentaires non cité ou c'est un présumé impliqué et non assassinat un président mais faut aller répondre question juge d'instruction pour qui ça qui sont gain caché son bagage qui pissem d'ailleurs c'est pas non rien pouvoir pour ta organiser pour aller d'ailleurs parce que peut-être au cas dit pas paraît tôt et cetera mais pour qui ça malgré ou gain pouvoir ou a fait ou a résister ou a fait entrave ou a entravé enquête là malgré qu'on se pose en fonction donc merci un peu Claude Joseph nous même nous pas distrait nous connaît véritable problème avec enquête là jodia avec instruction c'est monsieur Ariel d'accord merci un peu Claude Joseph ancien premier ministre dirigeant parti politique et des on va parler rapidement avec André Raphaël qui lui-même c'est dirigeant alors c'est plutôt porte-parole Mopod pour capable garder en tout cas position yo par rapport à dernière évolution qui vient là avec accord 21 décembre 2022 qui te prévoit organisation élection et installation nouveau président 7 février 2024 qui pape Guétan fait là. Il est difficile pour nous établir contact avec André Raphaël. Bon, nous regarder à nouveau est-ce que nous capables de joindre Anli pour y ont parler matin et après d'après le gagner pour nous aller connaître qui sa situation est dans la commune Grécier. Oui, mes amis, dans la commune Grécier avec situation insécurité qui est là côté bandit exam continuer gagner contrôle plusieurs
localité dans commune ça. Donc nous pas arrivé établir contact avec André Raphaël porte-parole Mopod. Si nous pas arrivé joindre, n'a pas cassé rendez-vous avec lui demain de préférence le temps pour nous capable à... OK voilà. Oui, oui, André Raphaël bonjour hein. Bonjour Gary Dussel, bonjour Johnny Ferdinand, bonjour PDG Radio. Mm-hmm. Salut tout le monde, mon podio, participant de mon podio. Mm-hmm. Une salutation spéciale pour mon lacamo dans le sud-est. Oh, très bien. Pour que nous sortions de la montagne. Voilà. Son plaisir avec nous. Ok, donc là, on a pu chercher gagner quelques réactions par rapport à la dernière situation qui est là, à côté, encore 21 décembre, pour arriver dans Boutli. Il était prévoit organisation, élection avant l'année à finir pour installation nouveau président 7 février 2024. Et l'éclair, ça n'a pas arrivé fait. Donc nous-mêmes, par rapport à tout ça, nous avons qui ça comme position au niveau Mopod? Bon, nous-mêmes, ça l'a dit jeudi, hein, que des Ariel Henry, les bénéficient de des accords politiques. Dans l'accord, ça n'a pas grand-rien qui s'est appliqué. C'est ce que Ariel fait en deux pays pendant des ans. Il y a plus de monde qui mourit, il y a plus de monde qui est dans le Niger, il y a plus de monde qui quitte la caillou, il y a plus de monde jeudi, qui est handicapé. C'est ça qu'il fait, comme t'as dit, dans le pouvoir pendant des ans. Et nous-mêmes, et j'aime surtout de plusieurs réactions faites, qu'effectivement, accord et deuxième accord Ariel là, il était publié dans le journal officiel. Et si vous venez dans l'officiel, ça veut dire que le gouvernement est juridique et politique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec elle. Mais il était publié, il engageait tout le monde. C'est-à-dire, et ça fait, nous-mêmes nous disons, 7 février 2024, effectivement, il y a une réélection faite là, dans le mois de novembre, non, pas de réélection dans le mois de novembre, non. Eh bien, 7 février 2024, je ne suis pas capable d'être dans ce pays. Et pas va gagner au pouvoir, je dire 50 ans, c'est pas dans l'élection que je suis allé, pour gagner un mandat présidentiel. Et on va être inacceptable. Et je ne vous dis pas, nous-mêmes, nous pensons effectivement, et ça te fait, nous-mêmes, dans notre dynamique de l'Assemblée, pour mon point, il fait partie du front INEA, effectivement, malgré qu'il va obtenir gain de position. Et je dis à la phase crise haïtienne là, la phase crise là, côté par un cadre légal qui vous permet de faire une réponse à la situation. Hein. Pas de choix. Pas de choix, c'est un consensus politique. Or, sur un consensus politique, eh bien, je dis à, alors, on se mette ensemble. C'est pas éclater le monde. Et c'est ça, c'est dans le cas, il n'y a pas un problème tout. Il y a le monde qui a parlé des problèmes d'idéologie. Là, on a un consensus politique, on ne peut pas parler des problèmes d'idéologie. Et on ne peut pas aller plus loin que ça. Problèmes idéologiques, société qui n'a pas de production, pas de richesse. Ça veut dire, je dis à nous-mêmes, nous pouvons effectivement, à force nous-mêmes, la transition, ça, à des fois qu'on sort une crise efficace et durable, et pour ça, fait, faut faire avec groupe organisé en deux sociétés. Hein. C'est que les groupes qui ont des réalistes qui ont pris des décisions contre eux, c'est normal, c'est la justice. Mais nous-mêmes, comme groupe organisé, on ne va pas dire qui est-ce qui est pour là et qui est-ce qui est pas là. Non, 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 les marches. Je dis, mettez tête ensemble pour regarder pour une proposition alternative après 7 février qui va être payé en l'autre direction.